Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur 30 Words Aware. Donc un jeu de grande stratégie, un jeu Wargames, un esprit tuto épisode 6, un jeu édité, développé par HQ, Acheon et Matrix Games. Donc un jeu de simulation historique, comme je l'ai dit. Nous allons donc reprendre le jeu où est-ce qu'on en était. Donc sixième épisode. Alors, ça bouge beaucoup. J'espère que là, Maralas ne va pas mardi soir. Parce que il faut qu'il revienne sur Moonwest. Et là, il va pouvoir avoir des chats, il va ravitaillement. Il va pouvoir récupérer. Donc ici, eux se savent, par contre, c'est chiant. On est en train de... en fin de compte, ils vont plus vite que nous. Voilà, c'est pas la peine. On va pas faire grand-chose. Lui, si je le mets en... Lui par contre c'est bon. Donc on remonte, mais bien. Ici, on a donc des chariots qu'on va pouvoir envoyer. Ici. Envoyer donc ces ravitaillements par la même occasion. Est-ce que je peux? Oui. On va les faire quand même récupérer là, un maximum parce que c'est compliqué. Ici, des ravitaillements. Lui tout seul. Lui va descendre aussi, tant qu'ils arrivent, parce que franchement, c'est catastrophique. Ici, c'est pas tellement bon. Alors, message, il n'y en a pas. Ici, on peut se renforcer avec des troupes. Mais on va pas gêner. Là, je peux plus. Donc là c'est ok, on va laisser faire le tour par l'IA et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Voilà, Maradas est en train de descendre, il n'est pas encore tout à fait descendu. Ici Dampierre. Il est trop espagnol que bah, voilà, il est en train de récupérer. Si ce sont des unités à l'entraînement, des pics qui vont pouvoir renforcer Dampierre. Et puis Maradas va venir fusionner là pour pouvoir attaquer ces deux-là. Alors oh là, qui m'énerve. Alors là, c'est en train de remonter. On va voir. On y récupère un petit peu quand même, en première vue. Ici, on est. On va retrancher nos troupes. Donc ça c'est bon. Ici. Non, on va laisser comme ça. Et on va passer notre tour. Allez.
Oui, il a perdu pratiquement toutes ses forces. Maranas, donc, va devenir le général de l'armée. Et ici, on va donc les laisser se refaire. On va construire un entrepôt. Et ici, on va envoyer ça ici. Ici, surtout des troupes. Hein. Là, ce sont des troupes de cavalerie arquebusier. D'accord. Ici, ici, là j'ai plus rien, là j'ai plus rien non plus, ici non plus. Allez, là ils ont dû, je pense, ici. Qu'est-ce qu'ils ont reçu? Oui, ils sont plus bons. Et là, on récupérait donc. Des forces, du ravitaillement, de la cohésion. Bon, ça a l'air d'aller. Donc ici, on va lire les messages déjà. Alors, de vastes ouvrages de défense ont été ordonnés par les protestants dans la région de Prague. Détachement de Vukovo est partiellement ravitaillé dans la région. Marada sera renforcé partiellement ravitaillé dans la région de Tabor. Parmi nos unités, 54 éléments ont été affectés d'un manque de cohésion car nous pouvons payer tout l'entretien nécessaire. Aïe! Faut plus recruter. Alors, les sous sont arrivés. Les pigmen, l'entraînement Wittenhort est presque terminé à Lynch. L'entraînement d'accro est presque terminé. Ok. Tout ça changera pas grand-chose. Non, de toute façon, il n'y a plus de sous. Allez, on peut plus payer. Il y a trop d'hommes. Alors, lui, il est en train de se refaire aussi. C'est pas mal. Leur puissance, bah, il faudra attendre, hein, parce que là, je peux pas. Je peux pas faire plus. Ici, en haut, ils sont en train de se renforcer sur Pilsen et Prague. Et nous par contre, oh, eux, ils attaquent, ils ont tout à feu et à sang. On va essayer d'attaquer. On va essayer d'attaquer, mais bon. Ils ont été un peu ravitaillés, donc c'est déjà ça. On passe à notre tour. Alors, ici, oui, oh non, ils sauvent encore. Putain, ils me font plaire, là. Ah, c'est pas vrai. Lui, ben, je vais le redescendre ici. Parce que et ben Marion, je vais le mettre sur ici et on va. Je vais arrêter d'aller poursuivre ces protestants, ils sont pas nombreux. Ici, ben, il faut le temps qu'ils se refassent. Hein. Alors, ils ont une armée quand même conséquente, mais est-ce suffisant pour affronter les autres? Je n'en sais rien. Faudra voir. Donc ici, rien d'intéressant. Je passe. Ah! 2, 3, 4. T'as l'air. Les protestants demandaient l'aide de l'Angleterre. Oui,
un pot de Bodoès, un pot de Vienne, un pot de Linz. Ici. Des dégâts, des fatigues, d'accord. De toute façon, là, je prendrai plus rien pour l'instant. On va voir si je peux retrancher. Ça sera pas mal. Allez, si je suis attaqué, c'est préférable. Oh, ils ont quand même réussi. Victoire catholique, bataille de Cosel en juillet 1621. On n'a rien perdu, 7335 hommes, 1577 chevaux. Ils ont perdu 350 et 48, mais ils en restent encore. Oui, il en reste encore. Bucquoy est en train de redescendre, parce que j'ai un peu peur qu'on attaque de ces deux côtés-là. Alors là, ça, il a bien remonté au niveau ravitaillement. Maintenant, je laisse remonter sa force. Ici, il va encore attaquer. Il peut plus aller plus loin. Il est pris dans une impasse. Il va redescendre ici. Ok. Les renaissances reviennent. D'accord. Je peux plus. Des wagons peut-être. Et on verra bien. D'accord. Ok, on continue. Alors, victoire catholique, bataille de Compiègne. Et ici, l'ennemi a été annihilé. Ils ont tout perdu. Donc, on n'a plus à s'inquiéter avec eux. Voilà. Alors, lui. Il faut qu'il récupère tout de suite parce que... Il a plus de ravitaillement. Donc ça, c'est inquiétant. Ça va pas être mieux. Ça va faire sur Vienne parce que Vienne s'est ravitaillé. On va voir, sinon on va le faire descendre après. Des bonnes forces, ben j'irai pas plus. Ils ont perdu beaucoup là. Si je prends cette unité par exemple, elle a plus que 40 hommes sur 500 hommes. C'est affreux. Ils n'ont plus de force. Oh là là, la cohésion, alors. Il y en a qui ont perdu énormément de cohésion. Pas bien. Si je veux attaquer ici par exemple, bon, on va peut-être essayer. Hein. On va l'attaquer sur Prague. 65% marche forcée. En espérant que ça marche. Et si ce sera pas, ce sera l'entraînement pour attendre un petit peu. Et ici, je suis en train de regarder. Alors ici, grâce à notre victoire, nous avons saisi 200 armes sur l'ennemi. Voilà, rien de, y a pas grand-chose. On va continuer, on va laisser faire rien. Maradas, donc, va monter sur Prague pour attaquer et assiéger Prague. En marche forcée, ça marche. Victoire impériale, bataille de Prague, septembre 1621, von Mansfeld a donc été
Il a subi une défaite, mais pas la guerre. Hein. On a perdu que 110, 117 hommes, 114 et 113 chevaux perdus. On assiège Prague, ça c'est bon. Et on va essayer par des décisions sociales déjà de se retrancher. On va mettre des mines, même si 35% c'est pratiquement difficile de faire. Je vais donc aller ici, aller ici. On a encore des troupes. Qui n'est pas facile. Alors, l'armée barbarienne, il y en est où? Au niveau ravitaillement, c'est pas bon du tout. Là, il est 5. Faut laisser faire. Il y a besoin de se ravitailler, donc on va voir. Alors, détachement de Morada, c'est réussi, ça marche forcé. L'armée barbare est partiellement ravitaillée dans la région d'Oppeln. C'est bon. L'entretien des unités sur le terrain utilise 2000 thalers. Donc, commencer de construire un dépôt dans la région de Oppeln. L'inventaire de construction d'un dépôt à Oppeln. Détachement de Marada s'est arrivé à Prague. Nous avons remporté une bataille contre les protestants à Prague. Ici, l'entraînement de 4 supply est presque terminé. Ici aussi, Marada a été félicité pour avoir remporté une victoire sur l'ennemi. Nous allons le presser ensuite. Détachement de Marada subit 2 dégâts de fatigue. Donc là, ça c'est bon. On va laisser comme ça. Lui, il va remonter ici. Ok. Lui, il va attendre ici. L'armée va attendre. Et on va laisser faire l'IA. Alors, encore une bataille. Voilà, là, par contre, c'est une défaite. Ils viennent de perdre 816 hommes, 195 chevaux. Ils sont plus nombreux que nous. Eh oui, on vient de subir encore une belle défaite. On va descendre sur Boudouès. Ici, lui, on peut demander une marche forcée. Oui. Qui arrive plus vite ici sur Boudouès, et là on va essayer de se refaire. On va mettre des charges dans le ravitaillement, ça sera toujours ça. Et ici ils sont quand même costauds. Hein. Ici ça remonte pas. Hein. Moi, je vais le redescendre ici. En marche forcée, si c'est possible. Non. Et on va détruire le dépôt. Je peux pas. Bon, on va laisser revenir ici. Hein, il va perdre sa cohésion, j'en ai peur, pour se ravitailler. Parce qu'ici, c'est le coin, au niveau ravitaillement, le plus important. Ici, il s'est ravitaillé également. Ici aussi, d'ailleurs. Ouais. Donc, on va plutôt faire ça. On va plutôt le mettre ici. On va sauter un jour. Le dépôt, je peux pas le détruire. Je suis obligé de le laisser, malheureusement. Bon voilà, ici je regarde un peu, c'est bon. Allez, ça sera bientôt la fin de l'épisode 6. Et ici, voilà, on est l'hiver, donc les conditions climatiques sont pas bonnes. Détachement de Maradas, détachement de Bucquoi. On va aller
On va fusionner toute cette grande armée. Et là, on va essayer de se refaire. On va récupérer un peu. Et on va voir ce qu'on peut faire. Ici, décision régionale. Là, c'est pas la peine. Bon, voilà, cet épisode va se terminer là. Donc, moi, je vous dis pour un septième épisode sur Warsaware, la guerre de 30 ans. Donc, pour un septième épisode, moi, je vous dis à une prochaine fois. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.